Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le parti AND Intadohoka a indiqué que les autorités burundaises devraient renforcer la vigilance pour ce qui est de la sécurité. Ces propos ont été tenus après le jet de grenades dans divers endroits de la capitale Bujumbura, y compris le parking des bus de la capitale. Le parti MRC Ruling Nzangemero, de leur côté, réclame des enquêtes minutieuses. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les élus du peuple divergent avec ce que la ministre de la Communication quant à la révélation des sources d'information. Ces propos ont été tenus la semaine dernière lors de la présentation de la loi régissant la presse au Burundi à l'hémicycle de Kigobe. Pour cela, la ministre de la Communication a indiqué que ça a été mis en place pour que un journaliste procède à une vérification minutieuse de l'information avant sa publication. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par la page politique. Le parti AND Intadohoka regrette le jet de grenades dans divers endroits de la capitale Bujumbura, y compris sur les parkings de bus en plein centre-ville de Bujumbura. La semaine dernière, le président de ce parti, Gaspard Kobako, parle des tueries injustifiées faites à l'endroit des populations innocentes. Pour lui, la vigilance devrait être renforcée de toutes parts pour traquer et traduire en justice les auteurs de ces attaques. Suivez-le. Nous interprétons cela comme une situation qui ajoute le drame au drame. La population burundaise, de manière générale, connaît des problèmes multiformes. Entre autres problèmes, il y a pénurie de carburant, laquelle pénurie de carburant augmente tous les autres prix, y compris le prix du transport, et les gens ont des difficultés à pouvoir se déplacer. C'est déplorable, c'est regrettable que des malfaiteurs se livrent à un jet de grenade pour tuer des innocents dans des bars où les gens sont en train de se désaltérer avec toutes les difficultés que cela entraîne. Vous savez que les produits paludis manquent, et ainsi que les produits de première nécessité. C'est regrettable et condamnable que des gens soient assassinés dans des lieux publics, comme les églises, comme cela s'est passé au nord de la capitale économique de Bujumbura. C'est regrettable et condamnable que cela se produise aussi dans des parkings, comme sur l'ancien marché central de Bujumbura. Ces tueries aveugles ne peuvent en aucun cas être justifiées pour quelque motif que ce soit. Ceux qui font ces attaques, ce sont des criminels, ce sont des malfaiteurs, et il faut les prendre comme tels. On ne peut en aucun cas leur donner raison, parce qu'une revendication, si revendication il y a, ne peut pas passer par des tueries aveugles, des populations innocentes, parmi lesquels se comptent peut-être les cousins, les enfants, les tantes, les papas et les mamans, et les oncles. Au niveau du gouvernement, la vigilance devrait être renforcée, et même du côté de la population en général. Et du côté du parti MRC Rurenzangemero, cette insécurité serait liée à des raisons en rapport avec la situation économique actuelle dans le pays. Pour le professeur Juvenal Ngogwanobusa, il faut également des enquêtes minutieuses pour révéler enfin l'identité de ceux qui seraient derrière ces attaques. Ainsi, pour asseoir une paix durable, le professeur Ngogwanobusa estime qu'il devrait y avoir un dialogue entre le Burundi et ses différents partenaires, y compris le pays voisin. Suivez-le. Regardez au niveau de la paupérisation de la population. Ni sucre, ni carburant, ni produits burundi. Et avec ça, on continue à dire que tout va bien, qu'il y a sécurité. La sécurité est sociale, alimentaire, tout ça fait partie de la sécurité. Or,
Il suffit donc d'accepter les faits. Et quand on les a acceptés, d'accepter également les moyens pour y faire face. Et il n'y a pas plusieurs moyens, c'est le dialogue et la concertation. Pour revenir sur l'insécurité alimentée, notamment par les grenades qu'on voit par-ci, par-là, il est un peu paradoxal que aujourd'hui, le président d'un pays voisin est reçu en grande pompe à Bujumbura, son épouse également, et que quelques jours après, c'est ce même pays qui est accusé de tous les maux. Et quelque part, si on allait sur une table de négociation, il y aurait moyen de voir comment négocier une paix durable entre les voisins et surtout d'éviter de prendre un parti contre un autre lorsqu'il y a des conflits entre pays voisins. Moi, je pense que c'est la seule solution. C'est le dialogue. Ce sont les vertus de l'institution de Bashingirai qui a toujours aidé le Burundi à se tirer d'affaires qui doivent être de nouveau mises en place. Je vous l'avais dit en titre, des élus du peuple divergent avec la ministre de la Communication quant à la révélation des sources d'information pourtant consacrées par le projet de loi régissant la presse au Burundi. Ils se sont exprimés la semaine dernière lors de la présentation de l'analyse plutôt du projet de loi régissant la presse au Burundi. Le point avec Mireille Kanyangé qui s'est rendue à l'hémicycle de Kigoé. Lors de l'analyse de ce projet de loi régissant la presse au Burundi, qui va remplacer la loi de 2018, le député a trouvé opaque l'article 59 de ce projet de loi en ce qui est de l'origine d'une information. C'est un article pourtant clair, rétorque Daniel Gela Zendabirabe, président de l'Assemblée nationale. Quant au député Gaston Sindimo, il revient sur la protection des sources prévue à l'article 58. Il indique que dans certains cas, l'on oblige le journaliste à révéler sa source. Pour les deux articles, Léocadine Dachaïsaba, ministre de la Communication, insiste, le journaliste ne doit diffuser que des informations équilibrées et vérifiées. L'article 59 de ce projet de loi, alinéa 3, montre que le journaliste ne doit publier que des informations équilibrées et dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies et vérifiées. Quant à l'article 58 de ce projet de loi, il précise la protection des sources d'informations est reconnue et garantie par cette loi. Le manque de produits pouvant générer des devises est parmi les causes de la détérioration économique qui se manifeste dans le pays. C'est du moins l'avis du président de l'organisation Force de lutte contre le népotisme et le favoritisme au Burundi, Folucon. Gérard Hakidimana appelle le gouvernement à lutter efficacement contre la corruption et à faire face aux conséquences du changement climatique. Suivez-le. Bien sûr, dans notre organisation, nous remarquons également la carence de cette thématique ou la montée des prix de ces derniers. Il est vrai qu'il y a des problèmes et ne font pas rejeter le tort au gouvernement. Nous devons alors reconnaître que des problèmes existent dans beaucoup de pays, notamment les guerres entre la Russie et l'Ukraine. Il y a aussi l'Israël et le Gaza. Il y a les effets des changements climatiques. Il y a les conflits régionaux et internationaux. Vous savez, les décorés. Il y a aussi les conflits entre des puissances, il y a aussi les attaques menées par des pillages contre les cargos qui transportent les marchandises qui pourraient ne pas revenir ici. Tous ces problèmes ont des conséquences sur notre économie, notamment le manque de produits et de devises dont nous avons besoin. Donc, dans notre organisation, c'est pourquoi nous disons ou nous demandons au gouvernement de réduire les taxes sur certains produits dont la population a besoin et aussi de surveiller et de lutter contre toutes formes de malveillance.
d'exploitation et de corruption. Et cela contribuerait à la réduction de la souffrance de la population. Et ce qui est très important aussi pour nous, c'est la mobilisation au travail pour contribuer au développement, car il a été constaté que c'était travail pour les intérêts, mais pas pour des intérêts de notre pays. Et cela peut entraîner au détournement et aussi à la corruption. Gérard Hakizimana a été contacté par la rédaction de la radio-télévision Sanganiro par téléphone. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.